Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Ses premiers romans, David Cornwell, alias John le Carré, les a écrits alors qu'il était encore un agent des services secrets britanniques. Je ne suis pas un espion qui est devenu écrivain, je suis un écrivain qui fut brièvement espion. Ma vraie vocation n'était pas l'espionnage, c'était l'écriture, confiait-il à l'Express en 2008. Je pense que si j'étais devenu marin plutôt qu'espion, j'aurais écrit sur la mer. Ma grande chance fut d'être, à cette époque exaltante des années de guerre froide, un petit soldat. Tout écrivain a besoin de son bac à sable pour écrire, c'est-à-dire d'un théâtre qui lui est propre, où il puise sa force. Mon théâtre, mon bac à sable, est le monde du renseignement, des services secrets. J'y ai fait mon éducation. En 1980, sur France Culture, dans Un livre des voix, Pierre Cipriot proposait une adaptation radiophonique des Gens de Smiley, le dernier volet de la fameuse trilogie de Carla de Le Carré. Avec les voix de Henri Poirier, Jacques Berthier, Claude Dassé, Frédéric Gérard et Jean Topard. Georges Godbert nous présente un roman de John le Carré, Les Gens de Smiley, publié chez Robert Laffont. Ancien officier de renseignement de l'armée britannique, ancien diplomate, John le Carré anime des personnages dont les souvenirs sont de l'histoire vécue. Voici Berlin au temps de la guerre froide, des policiers, des soldats alliés, rassemblés sous les lampes à arc, maudissant le froid, avec les chars qui grondent pour maintenir les moteurs chauds, les canons des tourelles braqués sur les cibles adverses, au coup de klaxon d'alarme la ruée des troupes vers les voies d'invasion. Voici Hambourg avant la guerre, cité portuaire, riche, élégante, très proche de la Grande-Bretagne, et voici cette même ville, devenue en 1945 une ville réduite à des ténèbres médiévales, avec des ruines qui n'en finissent pas de fumer, des survivants qui labourent les décombres et les champs, puis quand Smiley y retourne, à Hambourg, c'est Pigalle. On peut aimer aussi John le Carré pour ses espions. Leur biographie est surprenante, leur vie privée lamentable. Les services secrets de John le Carré sont peuplés de messieurs tout le monde, de sortes de ronds de cuir qui ont tout sacrifié pour devenir maître du monde. Voici Smiley, ventripotent, gauche, cocu, et par réaction, chasseur, amant solitaire, qui cherche à s'accomplir, habile participant du grand jeu de l'espionnage. Et puis voici son antagoniste soviétique, celui dont la vie est le complément de la sienne, Carla, c'est un nom de code, chef du 13e directoire, petit homme aux airs de moine, mais dont on voit tout de suite qu'il est le maître, car dans son bureau il fume à la chaîne des cigarettes américaines. Depuis 20 ans, Carla et Smiley poursuivent leur partie d'échecs dans les romans de Le Carré. Ce dernier livre, Les Gens de Smiley, est leur ultime combat. L'enjeu, ce n'est plus seulement la pièce qu'un général balte assassiné à Londres a camouflé dans un paquet de cigarettes et que Smiley doit chercher dans les poubelles que sont devenus les lieux publics londoniens au moment où John le Carré écrivait son livre. L'enjeu, c'est l'emprise psychologique de Carla sur Smiley et inversement. La force de John le Carré, c'est de faire du roman d'espionnage instrument privilégié de la fiction, un roman naturaliste. Des personnages bien réels, un monde banal, une vie où les problèmes quotidiens enveloppent les héros, qui sont d'ailleurs au fond de pauvres types. C'est une urgence, Georges. Vous vous souvenez de Vladimir? Georges, vous êtes réveillé? Vous vous rappelez le vieux général, Georges? Il vivait à Paris. Oui. Je me souviens du général, oui. Oui, Oliver, je me rappelle. Vladimir. Nous avons besoin de quelqu'un qui appartienne à son passé, Georges. Quelqu'un qui ait connu ses petites manies, qui puisse l'identifier, étouffer tout risque de scandale. Nous avons besoin de vous, Georges. Maintenant, Georges, réveillez-vous. Smiley s'y était efforcé. Tout comme il avait essayé de transférer le combiné sur sa meilleure oreille et de se redresser dans un lit trop large pour lui.
Il était affalé dans l'espace froid abandonné par sa femme, parce que c'était de ce côté-là que se trouvait le téléphone. Vous voulez dire qu'il a été abattu ? Georges, vous ne pouvez donc pas écouter, on l'a abattu. Ce soir, Georges, au nom du ciel, réveillez-vous, nous avons besoin de vous. On avait ôté la chaîne de la porte pour lui. On l'avait interrogé avant même de lui retirer son manteau. Question brève et pressante. Y avait-il sur le corps des documents compromettants, Georges ? Rien qui permette d'établir un lien avec nous. Mon Dieu, vous en avez mis du temps. On lui avait montré où se laver les mains, en oubliant qu'il le savait déjà. On l'avait fait asseoir dans un fauteuil et ce fut là que resta Smiley, humble et à l'écart. Cependant qu'Olivier Lacon, surveillant général à Whitehall pour les services de renseignement, arpentait le tapis usé jusqu'à la trame, comme un homme travaillé par sa conscience. Que Lowder Strickland répétait tout de 15 façons différentes, à 15 personnes différentes, en utilisant le vieux téléphone à potence au fond de la pièce. « Alors repassez-moi la liaison avec la police, mon petit, tout de suite !» Se montrant tour à tour brutal ou cajoleur, selon la position ou la tenue de son interlocuteur. L'appartement sentait les serviettes sales et le mégot de cigarette. Et il se trouvait au dernier étage d'un immeuble victorien, à la façade ornée de volutes, à moins de 200 mètres de Hampstead Heath. Dans l'esprit de Smiley, des images de la tête éclatée de Vladimir se mêlaient à ses pâles visages de vivant. Et pourtant la mort, pour l'instant, n'était pas un choc pour lui, mais juste une affirmation que sa propre existence aussi courait à son terme. En fait, il avait dépassé son temps. Smiley avait ôté ses lunettes et les astiquait avec le gros bout de sa cravate. À la pâle lumière qui pénétrait maintenant à travers les rideaux, son visage rebondi paraissait moite et sans défense. Il dit carrément: Vladimir était l'un des meilleurs agents que nous ayons jamais eus. Parce que c'était un des vôtres, vous voulez dire? Parce qu'il était bon. Le père de Vladimir était un Estonien. Un bolchevique passionné, Olive. C'était un homme de loi, un avocat. Staline a récompensé son loyalisme en le faisant exécuter lors des purges. Vladimir était né Voldemar, mais il est allé jusqu'à changer son nom en Vladimir par fidélité envers Moscou et la Révolution. Il voulait toujours croire, malgré ce qu'ils avaient fait à son père. Il s'est engagé dans l'armée rouge et, par la grâce de Dieu, a échappé en même temps aux purges. La guerre lui a fait avoir de l'avancement, il s'est battu comme un lion. Et quand elle a été terminée, il a attendu la grande libéralisation russe dont il rêvait et la libération de son peuple. Tout ça n'est jamais venu. Au contraire, il a été témoin des répressions impitoyables exercées dans sa patrie par le gouvernement qu'il avait servi. Des dizaines de milliers de ses compatriotes estoniens sont partis pour les camps, et parmi eux, plusieurs membres de sa famille. Ceux qui ont eu de la chance se sont réfugiés en Suède et en Allemagne. Nous parlons là d'une population d'un million de gens sérieux et travailleurs complètement massacrés. Un soir, par désespoir, il nous a proposé ses services. À nous, les Anglais. À Moscou. Pendant 3 ans après cela, il a espionné pour nous le cœur même de la capitale. Il a tout risqué pour nous, chaque jour. Inutile de préciser que c'est notre ami Georges, ici présent, qui était son officier traitant. Grommela Strickland, essayant encore vaguement de laisser entendre que c'était ce fait même qui avait causé la disgrâce de Smiley. Mais Smiley ne se laissait pas arrêter. À ses pieds, le jeune Mustin ouvrait ses yeux tout grands et écoutait dans une sorte de transe. Nous lui avons même donné une médaille, si vous vous souvenez, Oliver. Pas pour la porter ni la posséder, bien sûr, mais quelque part sur un bout de parchemin que de temps en temps il était autorisé à regarder, avec une signature qui ressemblait beaucoup à celle de notre souverain. Georges, de l'histoire, ce n'est pas aujourd'hui.
Pendant 3 longues années, Vladimir a été la meilleure source que nous ayons jamais eue sur les possibilités et les intentions des soviétiques. Et au plus fort de la guerre froide, il était proche de leur milieu du renseignement et faisait des rapports là-dessus. Et puis, un jour, au cours d'une visite de service à Paris, il a pris le risque de sauter la barrière. Et Dieu soit loué qu'il l'ait fait, car sans ça, il aurait été abattu bien plus tôt. Lincoln était soudain tout désemparé. Il demanda... Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment cela, plutôt? Qu'est-ce que vous racontez? Je veux dire qu'en ce temps-là, le cirque était dans son ensemble dirigé par un agent du centre de Moscou. C'est par le plus pur hasard que Bill Hayden se trouvait être en poste à l'étranger au moment où Vladimir travaillait pour nous. 3 mois de plus et Bill l'aurait grillé. Lincoln, ne trouvant rien à dire, Strickland vint combler le vide à sa place. Bill Hayden par-ci, Hayden par-là. Tout cela parce que vous étiez particulièrement lié avec lui. Bon sang, Hayden est mort et toute cette époque. Tout comme Vladimir. George, nous sommes des pragmatistes, George. Nous nous adaptons. Nous ne sommes pas les gardiens de quelques flammes sacrées. Je vous demande, je vous recommande de ne pas oublier cela. Calme, mais résolu. Smiley n'avait pas tout à fait fini l'oraison funèbre du vieil homme. Et peut-être sentait-il déjà que c'était la seule à laquelle ce dernier aurait jamais droit. Et lorsqu'il s'est découvert d'accord, il avait perdu sa valeur, comme c'est le cas de tous les ex-agents. C'est bien vrai. Il est resté à Paris et s'est lancé de tout son cœur dans le mouvement d'indépendance balte. D'accord, c'était une cause perdue. Il se trouve qu'aujourd'hui encore, les Anglais ont refusé la reconnaissance déjurée de l'annexion des 3 États baltes par les Soviétiques. Mais peu importe ça aussi. L'Estonie, vous ne le savez peut-être pas, Oliver, conserve à Queen's Gate une légation et un consulat général tout à fait respectables. Ça ne nous gêne pas, apparemment, de soutenir des causes perdues une fois qu'elles le sont bel et bien. Mais pas avant. C'est d'accord, à Paris, il a formé un groupe balte. Et le groupe n'a fait que décliner, comme le font toujours les groupes d'émigrés et les causes perdues. Non, laissez-moi George, continuer, Oliver. Je ne suis pas souvent long. Mais mon cher, soyez aussi long qu'il vous plaira. Son groupe s'est divisé, il y a eu des querelles. Vladimir était pressé et voulait rassembler toutes les factions sous un seul chapeau. Les factions avaient leurs droits acquis et n'étaient pas d'accord. Il y eut une bataille rangée, quelques têtes ont été brisées et les Français l'ont expulsé. Nous l'avons installé à Londres avec 2 de ses lieutenants. Sur ses vieux jours, Vladimir était revenu à la religion luthérienne de ses ancêtres, troquant le sauveur marxiste pour le messie chrétien. Nous sommes censés encourager ça aussi, je crois. Ou peut-être n'est-ce plus notre politique. Voilà maintenant qu'il a été assassiné. Puisque nous parlons situation, voilà ce qu'était celle de Vladimir. Maintenant, pourquoi suis-je ici? Le coup de sonnette n'aurait pu arriver à un meilleur moment. Lincoln était encore tout rose, et Smiley, le souffle court, fourbissait une fois de plus les verres de ses lunettes. Très bien, Mostyn. Racontez-lui. Racontez-lui comme vous me l'avez fait. Mostyn était assis et observait une immobilité parfaite. Il parlait d'un ton feutré. Pour l'entendre, Lincoln s'était retiré dans un coin et d'un air sagace avait croisé ses doigts sous son nez. Mais Strickland s'était redressé et semblait, comme Mostyn lui-même, surveiller les propos du jeune homme afin de corriger de possibles erreurs. Vladimir a téléphoné au cirque aujourd'hui à l'heure du déjeuner, monsieur. Je me trouvais être de service au tout venant et c'est moi qui ai pris la communication. Strickland le reprit avec un empressement déplaisant. Vous voulez dire hier, alors soyez précis si vous pouvez. Je vous demande pardon, monsieur. Hier. Bon, de la précision. Être de service au tout venant, expliqua Mostyn, ne voulait dire guère plus que combler le creux de l'heure du déjeuner et vérifier les bureaux et les corbeilles à papier à l'heure de la fermeture. Le personnel du tout venant était trop novice pour le service de nuit. Aussi n'assurait-il ses permanences qu'à l'heure du déjeuner et le soir. Et Vladimir, répéta-t-il, appela à l'heure du déjeuner en utilisant la ligne de sauvetage. La ligne de sauvetage?
Je ne crois pas savoir très bien ce que vous voulez dire. C'est le système que nous avons pour maintenir le contact avec les agents morts, monsieur. Oh, mon Dieu. Je veux dire les agents qui ont fait leur temps, mais qui sont toujours sur nos listes de pension, monsieur. Alors il a téléphoné et c'est vous qui avez pris la communication. Quelle heure était-il ? 1h15, exactement, monsieur. La permanence du Tout-Venant, c'est une sorte de salle des informations, comme un journal, vous voyez ? Il y a ses 12 bureaux et au bout, il y a la cage du chef de section, avec une cloison vitrée qui nous sépare de lui. La ligne de sauvetage se trouve dans une boîte fermée à clé, et normalement, c'est le chef de section qui garde la clé. Mais à l'heure du déjeuner, il la donne au type de service. J'ai donc ouvert la boîte, et j'ai entendu cette voix étrangère qui disait « Allô ». Allons, Mostyn, avancez. J'ai répondu « Allô, Monsieur Smiley ». C'est tout ce que nous faisons, nous ne donnons jamais le numéro. Il a dit « Ici Grégory qui appelle Max, j'ai quelque chose de très urgent pour lui, voulez-vous me passer Max immédiatement ?» Je lui ai demandé d'où il appelait, ce qui est la procédure habituelle, mais il m'a simplement répondu qu'il avait plein de monnaie. Nous n'avons pas l'instruction de repérer les appels qui nous arrivent, et d'ailleurs ça prend trop de temps. Auprès de la ligne de sauvetage, il y a le sélecteur de fiches électriques. Il y a tous les noms de code dessus. Je lui ai dit de ne pas quitter et j'ai tapé Grégory. C'est ce qu'on fait ensuite après avoir demandé d'où ils appellent. Et sur le sélecteur, j'ai lu Grégory égale Vladimir, ex-agent, ex-général soviétique, ex-chef du groupe de Riga. Puis le numéro du dossier. J'ai tapé Max et je vous ai trouvé, monsieur. Max égale Smiley. J'ai tapé ensuite « Groupe de Riga » et je me suis aperçu que c'était vous, leur dernier vicaire, monsieur. Leur vicaire ? Smiley, leur dernier vicaire, Mostyn ? Au nom du ciel, je croyais que vous aviez entendu tout cela, Oliver. Rien que l'essentiel. Dans une crise, on s'en tient à l'indispensable. Sans quitter Mostyn des yeux, avec son fort accent écossais, Strickland fournit à Lacon l'explication requise. Les organisations comme le groupe avaient par tradition deux officiers traitants, les facteurs qui se chargeaient des problèmes matériels et le vicaire qui était au-dessus de la mêlée. Leur image de père, dit-il avec un petit signe de tête nonchalant en direction de Smiley. C'était enfin le moment de Lacon. Le problème, quel qu'il pût être, était devant eux circonscrit. Même s'il n'était pas encore précisément défini. On avait oublié Mostyn. Lacon était planté d'un air assuré, dominant la silhouette assise de Smiley, et il avait repris l'attitude d'un vieil ami. George, dans la situation actuelle, je peux aller trouver les sages et dire « J'ai fait une enquête et le cirque a les mains nettes ». Je peux dire cela. Le cirque n'a donné aucun encouragement à ses gens ni à leur chef depuis toute une année. On ne l'a pas payé ni secouru. En toute sincérité, ce ne sont pas les gens du cirque qui sont propriétaires de son appartement, de sa voiture. Ils ne paient pas son loyer ni l'éducation de ses bâtards. Ils n'envoient pas de fleurs à sa maîtresse et n'ont plus aucun des anciens et regrettables rapports avec lui ni avec son entourage. Ses seuls liens étaient avec le passé. Ses officiers traitants ont quitté la scène pour de bon. Vous-même et Esteraz, tous les deux âgés, tous les deux à la retraite. Je peux dire cela, une main sur la poitrine, au sage et, si besoin en est, à mon ministre, personnellement. Je ne vous suis pas. Vladimir était notre agent, il essayait de nous dire quelque chose. Notre ex-agent, Georges. Comment pouvons-nous être certains qu'il essayait de nous dire quelque chose? Nous lui avions donné aucune instruction. Il parlait d'une affaire urgente, même du renseignement soviétique. C'est ce que font pas mal d'ex-agents quand ils tendent leur casquette pour avoir des subsides. Pas Vladimir. Mais avec la sophistique, Lacon était dans son élément. Il était né là-dedans. Il l'a respiré. Il pouvait voler et nager là-dedans. Personne à Whitehall n'y excellait mieux que lui.
Georges, on ne peut tout de même pas nous tenir responsables de chaque ex-agent qui est assez imprudent pour s'en aller faire une promenade nocturne dans un des endroits découverts de Londres qui deviennent de plus en plus dangereux. Georges, quelle version adopter ? Choisissez, à vous de choisir. D'un côté, Vladimir a demandé à bavarder avec vous. Des copains à la retraite, un brin de causette à propos du bon vieux temps, pourquoi pas. Et pour se rendre intéressant, comme n'importe lequel d'entre nous pourrait le faire, il a prétendu qu'il avait quelque chose pour vous. Un renseignement précieux. Pourquoi pas? Ils le font tous. Sur cette base-là, mon ministre nous soutiendra. Pas besoin de limogeage, de crise de colère, de grande scène à une réunion du cabinet. Il nous aidera à enterrer l'affaire. Pas question, bien sûr, de l'étouffer. Mais il fera appel à son jugement. Si je le prends dans l'humeur qui convient, il peut même décider qu'il est inutile d'aller ennuyer les sages avec tout cela. Amen. Pendant un moment, personne ne parla. Et larmes. Comment expliquez-vous ça, Olivain ? Quelle arme ? Il n'y avait pas d'arme. Il a été abattu, selon toute probabilité, par ses propres camarades, si l'on connaît un peu leur cabale. Sans parler de son penchant pour les épouses des autres. C'est vrai, il a été abattu. Un coup de feu en plein visage, presque à bout portant, avec une balle à cône mou. On a procédé à une fouille superficielle, on lui a pris son portefeuille. C'est le diagnostic de la police, mais le nôtre serait bien différent, n'est-ce pas, Loda ? Pas question ! Eh bien, le mien le serait. Alors, entendons-le, Georges. L'arme utilisée pour tuer Vladimir était un dispositif standard du centre de Moscou. Dissimulé dans un appareil de photo, un porte-document, Dieu sait quoi. On tire une balle à cône mou à bout portant, pour faire disparaître, ou pour punir, ou pour décourager les autres. Si je me souviens bien, on en avait même un en vitrine à Sarat, dans le musée noir à côté du bar. Il y est toujours, c'est horrible. Tout s'anima soudain. Smiley se leva, Lacon était déjà au milieu de la pièce, et Strickland lui tendait le téléphone. Mustin s'était esquivé dans le vestibule obscur, et décrocher l'imperméable de Smiley de la patère. Qu'est-ce que Vladimir vous a dit d'autre au téléphone, Mustin ? Il a dit, dites à Max que ça concerne le marchand de sable. Dites-lui que j'ai deux preuves et que je peux les lui apporter. Peut-être alors qu'il voudra bien me voir. Il a répété cela deux fois. C'était sur la bande. Mais Strickland l'a effacé. Savez-vous ce que Vladimir voulait dire par là ? Parlez pas. Non, monsieur. Il n'y avait rien sur l'affiche ? Non, monsieur. Est-ce que eux savent ce qu'ils voulaient dire ? Demanda Smiley, faisant un geste bref en direction de Strickland et de Lacon. Strickland, peut-être. Et encore, je ne suis pas sûr. C'est vrai que Vladimir n'a pas demandé Esteraz ? Non, monsieur. Lacon terminait sa conversation téléphonique. Strickland lui reprit le combiné des mains et se remit à parler. Voyant Smiley près de la porte, Lacon se précipita vers lui et lui serra longuement la main. George, mon brave, portez-vous bien. Écoutez, il faudra que je vous parle du mariage un jour, un séminaire où on se dira tout. Je compte sur vous pour m'en enseigner l'art, George. Oui, il faudra nous voir. Baissant les yeux, il vit que Lacon lui serrait la main. Un étrange post-scriptum à cette entrevue vient d'en confondre le côté conspirateur. Les pratiques habituelles du cirque exigent que des microphones dissimulés soient installés dans les planques. Les agents, à leur étrange façon, l'acceptent, quand bien même ils n'en sont pas informés, quand bien même leur officier traitant se donne la peine de prendre des notes. Pour son rendez-vous avec Vladimir, Mustin avait, comme il se doit, branché le système en attendant l'arrivée du vieil homme. Et personne, dans la panique qui s'ensuivit, ne songea à l'arrêter. Les procédures de routine firent que les bobines arrivèrent à la section des transcripteurs qui, en toute bonne foi, produisent plusieurs textes pour le lecteur général du cirque. L'infortuné chef des tout-venants
en eut un exemplaire, tout comme le secrétariat, tout comme les chefs du personnel, des opérations et des finances. Il fallut qu'un exemplaire se retrouvât dans le panier de courrier de Lauder Strickland pour que l'explosion se produisît et que les innocents récipiendaires dussent jurer le secret sous peine de toutes sortes de redoutables menaces. L'enregistrement est parfait. On y entend les allées et venues nerveuses de Lacon, tout comme les apartés de Strickland, dont certains sont obscènes. Seuls ont échappé les confessions murmurées par Mostyn dans le vestibule. Quant à Mostyn, il ne joua plus aucun rôle dans l'affaire. Il démissionna quelques mois plus tard, venant accroître ce taux de déperdition des agents secrets qui inspire aujourd'hui à tous une si grande inquiétude. Ce qui arriva se déroula avec la lenteur d'un ballet sous-marin. L'homme qui gagnait du terrain sur elle arriva à sa hauteur, se postant à droite, c'est-à-dire du côté intérieur du trottoir. Au même moment, l'homme qui avait traversé la rue devant chez Mercier surgit sur sa gauche, ne marchant pas sur le trottoir mais dans le caniveau, l'éclaboussant d'ailleurs de la pluie de la veille à chaque pas. Avec cette fatale habitude qu'elle avait de regarder les gens droit dans les yeux, Ostrakova contempla ses deux compagnons indésirables et vit des visages qu'elle reconnaissait déjà et qu'elle connaissait par cœur. Ils avaient traqué Ostrakov. Ils avaient assassiné Glickman. Et selon elle, cela faisait des siècles qu'ils massacraient tout le peuple russe, que ce fût au nom du tsar, de Dieu, ou de Lénine. Détournant d'eux son regard, elle aperçut le chat noir qui l'avait suivi jusqu'à l'église et venait à sa rencontre à pas lents dans la rue déserte. Elle se conforma donc exactement au plan qu'elle avait mis toute la nuit à concevoir, qu'elle avait imaginé alors qu'elle était couchée dans son lit sans dormir. Dans son sac à provisions, elle avait mis un vieux fer à repasser, un bout de ferraille dont Ostrakov avait fait l'acquisition au temps où le pauvre mourant s'imaginait qu'il allait pouvoir se faire quelques francs supplémentaires en faisant le commerce des antiquités. Son sac à provisions était en cuir, vert et brun, en damier, et robuste. Le tirant en arrière, elle le balança de toute sa force vers l'homme qui était dans le caniveau, en visant l'aine, le centre aboré de sa personne. Il jura. Elle ne put entendre en quelle langue. Et s'affala à genoux. Ce fut là que son plan avorta. Elle ne s'attendait pas à avoir un homme de chaque côté d'elle, et il lui fallait du temps pour reprendre son équilibre et balancer le fer vers le second bras. L'homme ne la laissa pas faire. L'entourant des deux bras, il la prit comme le gros sac qu'elle était et la souleva du sol. Elle vit le sac tomber et elle entendit le bruit métallique au moment où le fer à repasser en glissait pour tomber sur une plaque d'égout. Les yeux toujours baissés, elle vit ses bottes qui s'agitaient à 10 centimètres du trottoir comme si elle s'était pendue à l'exemple de son frère Niki, lequel avait les pieds exactement tournés en dedans comme ceux d'un simple d'esprit. Elle remarqua qu'un de ses bouts de pied, le gauche, s'était déjà éraflé dans la bagarre. Les bras de son agresseur se refermaient maintenant avec plus de violence encore sur sa poitrine. Et elle se demandait si ses côtes allaient céder avant qu'elle ne suffoquât. Elle le sentit la tirer en arrière et elle se dit qu'il prenait position pour la basculer dans la voiture qui approchait maintenant à bonne allure dans la rue. On était en train de l'enlever. Cette idée la terrifia. Rien, et surtout pas la mort, n'était aussi effrayant pour elle en ce moment que la pensée que ses porcs allaient la ramener en Russie et lui infliger le genre de mort lente
dans une prison où l'on vous endoctrinait, elle en était certaine, qui avait tué Glickman. Elle se débattit de toutes ses forces et réussit à lui mordre la main. Elle vit deux passants qui semblaient aussi affolés qu'elle. Puis elle se rendit compte que la voiture ne ralentissait pas et que les hommes avaient une toute autre intention, non pas de la kidnapper, mais de la tuer. Ils la projeta en avant. Elle trébucha, mais sans tomber. Et comme la voiture faisait une embardée pour la renverser, elle remercia Dieu et tous ses anges de s'être décidée après tout à mettre ses bottes d'hiver. Car le pare-choc avant la toucha au jarret. Et lorsqu'elle revit ses pieds, ils étaient droits devant son visage, et ses cuisses nues étaient écartées comme pour l'enfantement. Elle partit un moment en vol plané, puis retomba sur la chaussée de tout son corps à la fois, la tête, le dos et les talons. Puis roula sur les pavés. Un jour, on ne jure que par les émigrés. Le lendemain, on ne veut plus en entendre parler. Un jour, ça va. Un jour, ça ne va pas, marmonna-t-il. Tout au long de sa vie professionnelle, semblait-il à Smiley, il avait écouté ce genre de jeu de mots signalant de théoriques grands changements dans la doctrine de Whitehall, signalant la retenue, le renoncement, toujours une nouvelle raison de ne rien faire. Chaque nouvelle mode avait été accueillie comme une panacée. Maintenant, nous allons vaincre. Maintenant, la machine va fonctionner. Chacune s'en était allée avec des pleurnicheries, en laissant derrière elle le fouillis britannique habituel, dont il se voyait de plus en plus avec le recul comme l'éternel présentateur. Il avait pratiqué l'indulgence en espérant que d'autres en feraient autant, et ce n'avait pas été le cas. Il avait trimé dans des chambres sur cour pendant que les hommes de moindre envergure occupaient la scène, et l'occupaient encore. Voilà 5 ans encore, il n'aurait jamais avoué professer de telles opinions, mais aujourd'hui, sondant avec calme son propre cœur, Smiley savait qu'il n'avait pas trouvé de maître et qu'il n'en trouverait peut-être jamais. Que les seules contraintes qu'on lui imposait étaient celles de sa propre raison et de sa propre humanité. Tout comme son mariage, tout comme son sens du service public. « J'ai investi ma vie dans les institutions, songeait-il, sans rancœur. Et tout ce qu'il me reste, c'est moi-même. » Et Carla, se dit-il, mon Graal noir. Il ne pouvait s'en empêcher, son esprit inquiet refusait de le laisser tranquille. Les yeux fixés devant lui dans la pénombre, il croyait voir Carla plantée devant lui, son image se brisant et se reformant dans le jeu incessant des taches d'ombre. Il voyait les yeux bruns qui le suivaient et l'évaluaient, comme jadis il l'avait évalué dans l'obscurité d'une cellule de la prison de Delhi, où il l'interrogeait, voilà 100 ans de cela. Des yeux qui, au premier abord, étaient sensibles et semblaient envoyer des signaux de camaraderie, puis qui, comme du verre fondu, durcissaient lentement jusqu'au moment de devenir fragile, mais inébranlable. Smiley, le voyageur de commerce, comme on l'appelait, chargé par le cirque d'être le fourrier du globe, offrant des conditions de réinstallation aux officiers du centre de Moscou qui envisageaient de changer de camp. Le centre, à l'époque, conduisait l'une de ces purges périodiques. Les bois grouillaient d'officiers supérieurs russes qui avaient peur de rentrer chez eux. Un Smiley, qui était le mari d'Anne et le collègue de Bill Hayden, et dont les dernières illusions étaient encore intactes. Un Smiley quand même tout près d'une crise intérieure, car c'était l'année où Anne s'était amourachée d'un danseur de ballet. Le tour de Hayden n'était pas encore venu. Toujours dans les ténèbres de la chambre d'Anne, il revécut le trajet en jeep brinque-ballante et klaxonnante jusqu'à la prison, avec les enfants qui s'accrochaient en riant à l'arrière. Il voyait la grille de fer de la vieille prison l'engloutir
et les uniformes britanniques impeccablement repassés des gardiens, tandis qu'il pataugeait jusqu'aux genoux parmi les prisonniers. « Par ici, votre honneur. Veuillez avoir la bonté de nous suivre, votre excellence. » Un prisonnier européen qui disait s'appeler Gertzmann. Un petit homme aux cheveux gris avec des yeux bruns et une tunique de calicot rouge qui semblait le seul survivant d'un sacerdoce disparu. Avec des menottes au poignet. « Veuillez les lui ôter, sergent, et lui apporter des cigarettes, » avait dit Smiley. Un prisonnier identifié par Londres comme un agent du centre de Moscou et qui attendait maintenant sa déportation pour la Russie. Un petit fantassin de la guerre froide, semblait-il, qui savait avec certitude qu'être rapatrié à Moscou, c'était affronter les camps, le peloton d'exécution, ou bien les deux. Que s'être trouvé aux mains de l'ennemi était aux yeux du centre être devenu l'ennemi lui-même. Peu importait qui lui parlait ou gardait ses secrets. « Soyez des nôtres, » lui avait dit Smiley à travers la table de fer. « Sauvez votre peau, vous n'avez pas le droit de vous refuser la survie. » D'abord machinalement, puis avec passion, Smiley avait répété les arguments familiers pendant que sa sueur tombait sur la table comme des gouttes de pluie. « Soyez des nôtres, vous n'avez rien à perdre. Ceux qui vous aiment en Russie sont déjà perdus. Votre retour ne fera qu'aggraver les choses pour eux, pas les améliorer. Soyez des nôtres, je vous en prie. Écoutez-moi, écoutez les arguments, la philosophie. » Et il avait attendu en vain la moindre réponse à ses adjurations de plus en plus désespérées. Et pourtant, plus Smiley l'implorait, plus le silence de Gertzmann devenait dogmatique. Smiley lui imposait des réponses, mais Gertzmann n'avait pas de questions pour les soutenir. Peu à peu, la plénitude de Gertzmann se faisait impressionnante. C'était un homme qui s'était préparé au gibet, qui préférait mourir aux mains de ses amis plutôt que de vivre aux mains de ses ennemis. Le lendemain matin, ils s'étaient séparés, chacun pour aller vers le destin qui l'attendait. Gertzmann, au mépris de toutes les probabilités, rentra en avion à Moscou pour survivre aux purges et prospérer. Smiley, brûlant de fièvre, s'en va retrouver son âne et pas tout à fait tout son amour. Et pour découvrir plus tard que Gertzmann n'était nul autre que Carla lui-même, le recruteur, l'officier traitant, le mentor de Bill Hayden, et l'homme qui avait glissé Bill dans le lit d'Anne, ce lit même où il était maintenant couché, afin de voiler la vision qui se précisait chez Smiley de la trahison plus grande encore de Bill contre le service et contre ses agents. Carla, songea-t-il, tandis que ses yeux scrutaient les ténèbres, « Que me veux-tu maintenant ?»« Dites à Max que ça concerne le marchand de sable. » De Paris à Hambourg, des plages du Schleswig-Holstein à une maison de repos de Berne, la chasse se poursuit jusqu'à la petite guérite sur le mur de Berlin où les gens de Smiley, le peuple du No Man's Land, pratiquent leur sinistre commerce. Ces gens de Smiley, ces soutiers de l'espionnage, ces défenseurs acharnés de causes éternellement perdues. C'était « Les gens de Smiley » dans « Un livre des voix », une émission de Pierre Cipriot et Georges Godbert, diffusée la première fois le 14 mai 1980 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.